Ils devinrent moines, arrêtés et transférés en prison. C'est avec une grande indignation que nous apprenons que le député Ydever Moigny, qui bénéficie d'une immunité parlementaire, a été arrêté et jeté en prison par les caciques du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Une énième violation de la constitution congolaise. L'arrestation du député Ydever Moigny fait suite à sa publication d'un audio où ce dernier a critiqué avec intérêt public l'incompétence de certains hommes politiques. Il avait manifesté sa consternation sur l'insécurité dans le pays, mais aussi sur le pillage des caisses de l'État par les membres influents du régime. Ydever Moigny, qui a été le bras armé du dictateur Denis Sassou Nguesso, réalise peu à peu la nature nauséabonde du régime congolais. Nous tenons à dénoncer avec la plus grande fermeté et indignation l'arrestation arbitraire du député Ydever Moigny. Denis Sassou Nguesso, qui voit ses soutiens fondre comme neige sous le soleil, sait que les choses ne tournent pas en sa faveur. Nous allons accentuer de plus belle les actions contre lui et les membres de sa famille partout dans le monde. Courage à notre aîné, à notre grand frère, Ydever Moigny, pour cet instant de vérité. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon. L'explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politiques, arrestations, emprisonnement et condamnations arbitraires des opposants pour délit d'opinion, filature policière, écoute téléphonique, menace de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparition forcée, crime rituel. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert.